Amen, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Qu'il soit glorifié au milieu de nous. Euh, notre frère Jude euh, nous a conduit dans un chant, plusieurs chants bien entendu. Il y en a un que j'ai souligné euh, ce soupir dans notre cœur, Seigneur viens régner. Amen. Viens régner. Qu'il ait le contrôle. C'est ça le plus important. Hein. Amen. Alors s'il y a des choses importantes dans la vie, puis en y réfléchissant, euh, on peut faire une liste. Ça c'est important, ça c'est important, euh, ça c'est important. Mais devant des choses importantes, souvent il y a ce qui est prioritaire qui passe. Et euh, ce qui est important pour nous n'est pas forcément pour Dieu. Et des fois, même si c'est important pour Dieu, Dieu lui il dit il y a des priorités avant de faire ce qui est important. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce soir. Un premier exemple où Jésus rappelle la priorité, sa priorité, la priorité de Dieu. Lorsque dans Matthieu chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 8, on plonge dans ce récit où. Jésus est là dans la maison et puis il euh, y a tout le monde qui est dans la maison. La maison est pleine. Et quatre hommes portent un paralytique. Ils viennent pour voir Jésus, pour que Jésus intervienne auprès de cet homme, pour cet homme. Et pour eux, c'est important. C'est important que cet homme qu'ils aiment, et pour cet homme aussi, c'est important qu'il puisse avoir cette possibilité d'être guéri. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper important. Il est paralytique, il ne peut pas se déplacer, donc des conséquences dans sa vie, en toutes choses. Et, et donc c'est important pour eux, c'est si important, et c'est important pour eux, qu'ils vont arriver, c'est fermé, fin, la maison est fermée, il y, y a trop de monde, ils ne peuvent pas y accéder à Jésus mais comme ils ont cette foi dans leur cœur que s'ils atteignent Jésus, il va se passer quelque chose pour lui. Alors c'est tellement important qu'ils vont monter sur le toit, ils vont découvrir le toit, ils vont faire descendre cet homme au pied de Jésus. Et Jésus, voyant cela, il voit leur foi et il nous est dit, il va dire à s'adresser à cet homme, « Prends courage !» Alors là, ça va bien se passer. Ils sont là... Les quatre hommes sont heureux, la priorité, enfin, le, là, ça y est, c'est important, mais ce qui va se passer, c'est la guérison. Mais Jésus dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, pour certains, dans le lieu, ça a été un choc, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils disent, sois guéri, lève-toi, puis tu peux y aller. Mais Jésus, là, souligne quelque chose d'important, c'est qu'il y a des priorités une priorité divine par rapport à la guérison par rapport à tellement d'autres choses la priorité des priorités pour Dieu c'est le salut de notre âme et heureusement que Jésus a gardé cette priorité parce que sinon peut-être qu'il serait resté sur la terre il aurait profité aussi de la vie il aurait pu faire passer d'autres priorités avant mais lui il a été jusqu'au bout parce que sa priorité c'était de donner sa vie pour nous sauver pour sauver l'humanité. Jésus donc dans cet exemple nous révèle la priorité pour Dieu, pour tout homme, pour toute femme sur la terre, tout être humain, que les péchés soient pardonnés et qu'enfin les hommes soient réconciliés avec lui. Amen. Béni soit le Seigneur pour cette priorité. Ça doit toujours être notre priorité aussi. Quand on annonce l'évangile, ce n'est pas la guérison qui est importante ou qui est prioritaire, c'est le salut de l'âme. Dans notre vie, quelles sont nos priorités Alors, Seigneur, règne en nous on est toujours dans cette pensée. Mais en fait, si tu veux régner, bien Seigneur, oui, je veux que tu règnes en moi. Quelle est ta priorité Que ça devienne la mienne. Amen. Un autre exemple qui nous montre que malheureusement quand on ne place pas bien nos priorités, on passe à côté du plan de Dieu, tout simplement pour notre vie. Ce jeune homme riche, dans Marc chapitre 10, verset 17 jusqu'au verset 20, ce jeune homme riche vient au pied de Jésus, il se prosterne. Oh bon maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle Ce n'est pas, pas quelque chose d'important tout ça. C'est la priorité. Il vient à la bonne place. Il pose la question à la bonne personne. Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle Jésus va lui poser la question, déjà, pourquoi tu m'appelles bon Il n'y a que Dieu qui est bon. Et puis ensuite, il va lui dire, est-ce que tu connais les commandements Et Il va lui en citer quelques-uns. Et cet homme va dire, mais moi, j'ai respecté depuis ma jeunesse. Et il faisait ce qui était important. Et pour lui, c'était important de respecter la parole de Dieu, la loi. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras et tu vas respecter tes parents, tu les honores et puis tu vas pas voler. Ah, je les ai respectés. Jésus le regardant, l'aima et il va lui dire, il te manque une chose. Il te manque une chose. Je vais le lire. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ce qui lui manque, c'est ce qu'il a. Ou c'est plutôt l'amour de ce qu'il a qu'il faut mettre de côté pour enfin placer la bonne priorité. Jésus, puis viens et suis-moi. Tout ce que tu as placé en priorité dans ta vie, tu le déposes, tu le t'en débarrasses. Cet amour de l'argent, cet amour de la possession, tout cela, tu le poses, tu t'en débarrasses et viens et suis-moi. Cet homme n'avait pas les bonnes priorités et il était devant l'évidence, Jésus lui fait remarquer, il a un choix. Que va-t-il faire ben On le sait maintenant, puisqu'on a la Bible, Jésus nous le dit, malheureusement, il va faire le mauvais choix mais affligé de cette parole cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de dieu priorité mal placée et il a voulu rester dans cette priorité la priorité c'était les biens sur la terre sa vision c'était la terre ses richesses qu'il soit au confort ici-bas je parle bien entendu d'une priorité parce que ça n'enlève pas qu'il respectait les commandements de Dieu. Il faisait ce qui était important, mais il fallait faire d'abord autre chose, c'est-à-dire chercher le Seigneur. Puis j'ai lu un, un verset, j'ai retrouvé un, un feuillet. Alors je vais vous le lire. On se souvient de un feuillet de, du trésor quotidien, il y a certainement des années. On se souvient de cette journée de mai 1987, où un terrible incendie ravagea entièrement le grand magasin Innovation à Bruxelles. 300 personnes environ périrent dans ce sinistre. Les flammes se propageaient si rapidement qu'elles ne laissèrent à la plupart des clients aucune chance d'atteindre une sortie. Deux vendeuses avertis à temps se précipitèrent vers une issue, arrivés tout près de la porte. L'une d'elles se retourna et s'écria ⁇ Mon manteau Je vais le chercher !⁇ Elle courut vers le vestiaire tout proche. On ne la revit jamais. Elle perdit la vie pour ne pas perdre son manteau. On ne va pas lui jeter la pierre, parce que le manteau, on ne sait pas d'où elle le tenait. C'était peut-être à sa mère qu'elle venait de perdre. Et c'était un héritage. Et pour elle, il y avait des sentiments qui étaient attachés. Des fois, on est attaché à des stylos. Hein. Un stylo qui... On est attaché à des objets. Mais franchement, la priorité, c'était la vie. Et pour une priorité mal choisie, mal positionnée, elle perdit la vie. Et cet homme, jeune homme riche, il perdit la vie éternelle. C'est pire qu'il est important de placer les bonnes priorités. Alors, ensemble, on va voir et on va aller tout de suite dans Matthieu chapitre 5, le discours sur la, la montagne, le, le serment sur la montagne, où Jésus, dans ce discours, va donner trois priorités, les priorités de Dieu, pas les nôtres, mais les priorités de Dieu, les priorités divines. Seigneur, règne en nous, eh bien, on doit revenir à la source la parole de Dieu. Quelles sont les priorités du Seigneur pour notre vie, pour notre temps, pour maintenant, pour nous, chaque enfant de Dieu Matthieu chapitre 5, et on peut lire à partir du verset 21, Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le saint Nédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus n'y va pas. Voilà, on pique les mots, c'est ça, par le dos de la cuillère. C'est clair! C'est clair pour tout le monde. On est dans un contexte de... qui n'est pas facile entre frères. raka, qui est insensé, quelqu'un qui dit à son frère. Et si donc, donc dans ce contexte-là, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va... Vous pouvez le dire Va d'abord, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, accorde-toi promptement, donc rapidement, tout de suite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant va d'abord une priorité divine. Je pense qu'on est tous d'accord que l'offrande, c'est important. On vient le dimanche matin parce qu'on désire apporter l'offrande de nos lèvres. Et on vit chaque jour en donnant l'offrande de nos vies pour le Seigneur. Notre adoration, notre louange, et on l'apporte au Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur dit :« Quand tu présentes ton offrande, si tu sais, en fait, si tu sais, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais si, ton, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, donc ça veut dire que tu sais que tu lui as fait quelque chose aussi. Tu, tu es au courant. Eh bien. » Il y a quelque chose que tu dois faire avant ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'offrande, bien entendu. Dieu veut qu'on lui apporte l'offrande de nos cœurs, de nos vies. Mais avant cela, il faut se réconcilier. Amen. Il faut la réconciliation, le pardon. On cherche la paix. Ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit en vérité. Amen. Et c'est quelque chose de très important. Et Jésus l'a dit, il l'a rappelé à, à la femme samaritaine. C'est pas le lieu qui est important, c'est le cœur. C'est en esprit, en vérité, être des adorateurs en esprit, en vérité, Et ça c'est important. Mais la priorité, c'est de vivre le pardon, de vivre l'unité spirituelle, de vivre la véritable communion fraternelle. Et le véritable adorateur, il a placé cette priorité avant tout. Il est artisan de paix. Et si je suis un véritable adorateur, alors je vais rechercher toujours la réconciliation. Je désire être en paix avec tous, autant que cela dépend de moi. Comme la parole de Dieu le dit, dans Romains chapitre 12, verset 18. Et Marc chapitre 9, verset 51 nous dit aussi, soyez en paix les uns avec les autres. Le véritable adorateur, c'est celui, effectivement qui place cette priorité. Je suis en paix avec tous. Comment puis-je louer le Dieu de paix, lui apporter ma louange, mon adoration, alors que je suis pas en paix avec Avec quelqu'un. Est-ce que je donne des détails Bon, je suis tout seul, là. <laughs> Comment, dans une assemblée, un frère, une sœur ne, ne, ne se parlent plus depuis des années et puis on s'évite à la sortie, on sort par une autre porte pour pas trouver l'autre. Comment on peut apporter la louange à ce Dieu de paix Jésus nous dit ce soir, la priorité, C'est pas les chants, c'est pas la louange, c'est n'est pas l'adoration, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Et on doit mettre ça en premier. Avant tout le reste, on passe à la deuxième priorité. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus ou en plus. Il est question là, juste avant, euh, de, de tout ce qui est, nous est nécessaire. Pourquoi Jésus disait, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Donc il est question de, de tout cela. Quand il dit, par-dessus ces choses-là, ces choses-là, Dieu sait qu'on en a besoin. C'est important qui peut dire la nourriture, le vêtement, le logis et c'est pas important. C'est important pour chacun. Mais pour notre vie et notre bénédiction aussi, la priorité, elle n'est pas à rechercher ces choses mais à rechercher bien plus euh, des choses bien plus élevées. Rechercher les choses d'en haut. Amen. Les choses d'en haut. La priorité est à chercher la justice, le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, Paul écrivait ce que nous devrons rechercher en priorité, il écrivait à l'église de Rome, et il déclare que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. C'est ça que nous devons rechercher quand on cherche le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Jude l'a dit tout à l'heure dans le chant. Voilà, quand on est heureux, ça se, ça se voit, puis on l'exprime. Amen. La joie du Saint-Esprit, la joie dans le Saint-Esprit. La paix dans le Saint-Esprit. Et la justice. La justice. Rechercher la justice. Le mot justice signifie, c'est l'expression, enfin, la justice de Dieu, c'est l'expression de tout ce que Dieu demande et approuve. En gros, c'est tout ce que Dieu veut et qu'il aime. Alors nous qui l'aimons, ben c'est normal qu'on cherche, qu cherche à lui plaire en premier et qu'on cherche à faire, à dire ce qui lui plaît. En premier. Amen. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. En fait, en analysant bien, la justice, notre justice, notre justice humaine, elle n'est jamais parfaite. Mais il y en a un qui a accompli la justice de Dieu parfaitement, c'est Jésus-Christ. Si je cherche la justice de Dieu, je cherche Jésus. Je cherche à ressembler à Jésus. Je cherche son cœur. Je cherche sa présence. Je cherche à, à être imprégné, rempli de lui. Je cherche à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen, je cherche ton cœur. L'apôtre Paul, c'était ce qu'il faisait de toute sa vie. C'était un, un apôtre qui cherchait, une tête chercheuse de la présence de Jésus. Amen. Il cherchait Jésus. Et d'ailleurs, dans la version euh, Parole Vivante, dans Philippiens chapitre 3, verset 7, il dit, Le bien le plus précieux, celui qui dépasse tous les autres, toute intelligence, c'est de le connaître et de connaître l'amour de Christ le bien le plus précieux la priorité des priorités pour l'apôtre paul c'est de connaître jésus il cherchait jésus il cherchait à lui plaire et chercher le royaume de dieu et sa justice en premier premièrement recherche ces choses recherche dieu recherche à ce qu'il règne dans ta vie recherche euh, à ce qu'il règne aussi dans ce monde en propageant la bonne nouvelle, en parlant de Jésus, qui peut changer les vies, qui peut sauver, qui peut donner sa grâce à ceux qui le recherchent et qui se repentent. Amen. Cherche les intérêts du royaume de Dieu. Cherchons ce qui plaît à Dieu. Et ne nous inquiétons pas de tout ce qu'on doit avoir, ce qui est important dans notre vie, ce qui est nécessaire pour notre vie. Dieu sait qu'on en a besoin. Et si on le recherche en premier, il pourvoira en plus. Ça veut dire qu'on aura quelque chose en plus. On aura déjà sa présence, son amour, sa bénédiction. On vivra dans son royaume, la justice, la paix, la joie. Dans le Saint Esprit, on vivra ces choses. C'est déjà, c'est le supérieur, c'est ce qui est le meilleur pour nos âmes. Et en plus, on aura le reste. Amen. Premièrement, cherche le royaume de Dieu et sa justice. La Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de courir après les biens du monde, de chercher toute sa vie à engranger, à engranger, à avoir de... Mais ça servira à quoi si son âme lui est redemandée Quand son âme va lui être redemandée, il va rien prendre avec lui. Notre priorité, c'est notre âme avec le Seigneur. C'est donc Jésus la priorité, le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons-le. Et faisons de, dans notre vie cette priorité. Dès qu'on met un pied hors du lit le matin, que ce soit notre soupir, notre désir, rencontrer Jésus, l'aimer, et dans chaque seconde de cette journée que Dieu nous aura donnée, qu'on puisse le refléter, qu'on puisse l'honorer, et qu'on puisse le bénir par notre vie. Parce que c'est là la priorité pour Dieu. Amen. Mmh. Et la dernière priorité, en tout cas celle que j'ai relevée, si vous en relevez une autre, bien entendu, euh, vous pourrez venir me le dire. Je rajouterai un point. Matthieu chapitre 7, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter une paille de ton œil toi qui as une poutre dans le tien. Jésus là pas, prend pas non plus un gant il dit les choses directement hypocrite ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère là encore il y a une priorité ôte premièrement ôte premièrement donc Jésus est en train de donner une priorité dans ce passage, quelque chose que nous devons faire en premier. Alors peut-être pour comprendre mieux, on va, je vais juste citer ce, ce passage dans Luc chapitre 18, où il est question de, de ces deux hommes qui montent au temple pour prier, au verset 9. C'est Jésus qui donne cette parabole. En vue de ces personnes qui se persuadaient d'être justes, qu'ils étaient justes et il ne faisaient aucun cas des autres, il dira donc deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La priorité pour Dieu, et pour nous, ça doit être notre priorité, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans ma vie. Pour moi, la priorité, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Seigneur, tu me révèles qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le corrige. Parce que si on, on cherche à se justifier, on dira, oh oui, mais lui ou elle est pire que moi. Ah, on en trouvera toujours des pires que nous malheureusement C'est ce que cet homme faisait le pharisien Moi 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 mais en plus il priait pas haute voix il était dans son cœur hein. Je ne suis pas comme et il montre les pires que lui soi-disant Mais on entend Jésus qui dit mais haute premièrement occupe-toi de ton âme et du travail de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans ta vie, ça doit être ta priorité, que Dieu te façonne, que Dieu te transforme, et qu'il te façonne à l'image de Jésus. Amen. C'est ça notre priorité. Avant de pointer du doigt les autres, on se compare effectivement facilement aux autres, et bien entendu, on choisira toujours un, un pire que nous, mais ce que, je, ce que le Seigneur veut, c'est vraiment que... Nous puissions nous concentrer sur l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. C'est la priorité de Dieu. Un jour, c'est un père d'un enfant qui était adolescent et le, le pasteur venait de prêcher sur le mensonge. Et à la fin de la réunion, le père va voir le pasteur et il dit Oh là là, c'était bien la prédication hein, sur le mensonge. Si vous saviez, mon fils, c'est vraiment un menteur. Oh là, je je n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'était pour lui, vraiment. Bon, moi, je mens bien de temps en temps, mais, mais pas comme lui. Toujours à, à pointer du doigt. Mais en fait, ce que Dieu nous demande, c'est que nous, on soit en règle avec lui. C'est la poutre. Je m'occupe de ma poutre. Je m'occupe de ce qui ne va pas dans ma vie. Et Jésus dit, après, si tu as le temps, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, on ne sera jamais parfait sur la terre. Donc, avant de s'occuper de la paille, je m'occupe de ma poutre. Haute, premièrement. Ça prend du temps, une poutre. Hein. À ôter. Le Seigneur nous fait grâce, alléluia, parce que lui, il est tout-puissant. Alors, où sont nos priorités est-ce qu'elles sont bien en phase avec celles du Seigneur Est-ce que des fois, on n'essaye pas d'inverser, de s'arranger avec notre conscience Le Seigneur, ce soir, remet, on va dire, les pendules à l'heure, pour moi d'abord. D'abord, pour moi. Et puis ensuite, je crois que chacun d'entre nous, on peut eh bien, sonder nos cœurs. Et dans ce temps de prière, je crois que c'est bon qu'on laisse le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Si on dit Seigneur, règne en moi, ben, il veut régner. Il veut pas régner où il y a des choses qui sentent mauvaises, des, des mésententes, des, des querelles, des, des rancunes, ou des, des priorités mal placées, comme ce jeune homme riche. Il aimait plus l'argent, les biens du monde, que Dieu lui-même, même, même s'il aimait Dieu, mais il aimait plus les choses du monde que Dieu. Priorité au pardon, à la réconciliation par rapport à l'offrande. Priorité au royaume de Dieu et à sa justice avant nos besoins terrestres. Et priorité au travail de Dieu dans nos cœurs avant celui dans le cœur des autres. Amen. On va prier maintenant. Je crois que chacun est à même de parler au Seigneur maintenant et de replacer les priorités bonnes priorités si on le fait pas si on fait pas les priorités en premier on passe à côté du plan de dieu on aura beau essayer de prendre des détours à droite à gauche de retourner la situation on ne gagnera pas on luttera en vain et ça pourra durer des années des années dix ans 15 ans 20 ans jusqu'à ce qu'on cède Devant le Seigneur, au moment du baptême de Jésus, Jean a résisté. Il a résisté à Jésus. Il a dit :« Non, 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 c'est pas c'est pas à moi de te baptiser. Ça va pas se passer comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas normal. Ce c'est pas à moi de te baptiser. C'est plutôt à moi d'être baptisé par toi. » Et c'est écrit que Jésus va lui dire :« Laisse faire. C'est juste devant Dieu. Il faut que ça se passe comme ça. » Et c'est écrit, Jean ne lui résista plus. Et à ce moment-là, il a fait, dans cet acte d'obéissance, vous savez ce qui s'est passé Vous le savez. Le Saint-Esprit, Jean, baptiste, va voir le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous forme d'une colombe. Et il va entendre la voix du Père céleste qui va parler. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend quand on a nos priorités bien placées. Amen. Vous voulez voir la gloire de Dieu comme moi Alors bien, avançons par la grâce de Dieu dans ces diverses priorités que le Seigneur nous a rappelées ce soir. Amen. Seigneur, je te bénis pour ton amour et je veux dire aussi ta patience envers moi. Je sais que je ne suis pas parfait. Et j'ai encore besoin que tu me façonnes à ton image. Seigneur, façonne-nous, transforme-nous, et que ce soir, il y ait de grandes victoires, Seigneur, que ton approbation, oui, vienne sur tous les cœurs qui se frappent la poitrine et qui disent, sois apaisé envers moi, qui ne suis pas parfait. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta grâce, que Seigneur, tu nous visites ce soir et qu'il y ait une grande grâce au milieu de nous, que chacun puisse prendre cette victoire, c'est ma prière, en replaçant les bonnes priorités dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.